Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer Super Mario World, un jeu que j'ai jamais fait. J'avais joué un tout petit peu il y a quelques temps via émulateur, comme je vais le faire maintenant, mais quand j'étais petit, je l'avais pas fait parce que j'avais pas la Super Nintendo. Et je vais essayer de faire ce jeu du début à la fin. Donc j'avais commencé une partie là, mais vous voyez, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai même pas fait le premier niveau, quoi. J'ai juste lancé la partie sans faire exprès. Je regarde quelle heure il est pour faire la première vidéo. Ok, alors. Welcome, Visit Dinosaurland. Donc, bienvenue. Nous sommes dans le monde, dans le pays des dinosaures. La princesse Toadstool, donc la princesse Peach, a encore été enlevée par Bowser sûrement, blablabla. Donc apparemment le scénario c'est comme d'hab, hein. On doit sauver la princesse Peach. Déjà on peut rentrer dans un niveau comme ça où en fait c'est censé être la maison de Yoshi. Nous explique qu'il est pas là. Il est parti sauver ses amis qui ont été enlevés par Bowser, donc apparemment il n'y a pas que la princesse Peach. Donc là, on a le choix entre deux niveaux. Prendre Yoshi's Island 1. Donc comme ça, je cours. Ok, d'accord. C'est bon, ça va le faire au niveau des commandes. Oula, la vache. Voilà, comme je dis, je connais pas du tout le jeu. Moi j'ai fait le seul Mario que j'ai fait quand j'étais petit, c'était Super Mario Bros 3. Là, faut leur sauter deux fois dessus, sinon ils peuvent te toucher encore. Ok, ça commence bien. Hop, le champi qui fait plaisir, paf. Tac, tac, tac. Hop. J'ai regardé un peu sur l'émulateur le nombre de FPS et on est à 50 seulement, donc c'est la version quoi? C'est la version 50 Hz du coup, c'est ça non? C'est ça que j'ai pas bien compris. En fait, le jeu me semble pas très fluide du coup là, en fait. Du coup, à 50 images par seconde pour un jeu de plateforme comme ça me semble pas hyper fluide. C'est un peu dommage. Alors attends, est-ce que je peux casser les blocs comme ça? Ok, donc il faut que je fasse la touche bas plus B. Ou juste la touche bas en fait, c'est tout. La touche. Okay. Hop, on sort de là. Donc en fait là je récupère quoi? Des pièces que je vois juste à côté du nom de Mario. Donc ça doit être le milieu de niveau ça. Alors, you can hold an extra item in the box at the top of the screen to use it. Press the select button. Ok, donc j'ai stocké un item. Stocker un champignon. Bon, si je redeviens petit, j'appuie sur Select et je peux me retransformer en comme je suis maintenant. D'accord. Bon, savoir ça. Ouais, je sais, c'est loin d'être obligatoire de tuer tous les ennemis, mais bon. J'avais envie. Alors, c'est quoi l'advice là? To pick up shell, use X button or Y button, this throw a shell upward, look up and let go of the button. Oups, et merde. Oups, y a une vie. Ça, les vies, il va pas falloir que je passe à côté parce que je veux me la jouer en fait réglo. Je vais pas utiliser abusivement l'émulateur en fait. Non! Oh quel con.
Ça, je peux pas l'avoir par-dessus, par contre, ça. Ok. Je pensais que j'aurais pu, tu vois. Ah, une petite fleur, donc pour balancer des boules. Un classique. Alors, on voit où le temps, il est là, ok, d'accord. Hop. Tu veux quoi, toi? Hop, le premier niveau, ça c'est fait. Hop, on avance. Yellow Switch Palace. D'accord, ce Yellow Switch Palace. Oh! Ça, c'est vraiment pour nous faire plaisir, pour avoir des vies, quoi. Ça m'a permis d'avoir deux vies, c'est bien. Par contre, je sais pas si on a une forme pour voler, comme dans Super Mario Bros. 3 dans celui-là. Comme la plume. Ok, donc ça déclenche quoi, ça? Switch Palace, the power of the switch, you have pushed to turn. To progress will also be saved. Ok, donc en fait, dans certains niveaux, il y avait... Là, par contre, pour les sauvegardes, je crois que je vais utiliser l'émulateur, ça par contre. Hein. À la fin de chaque temps de vidéo, quoi. Je pourrais retourner dans le niveau pour aller taper sur les blocs qui ont été déverrouillés, mais pff, franchement j'ai pas envie, quoi, j'ai juste pas envie. Donc les pommes, il me semble que c'est pour Yoshi, hein, je crois. Hein. Parce qu'après, plus tard dans le jeu, on va pouvoir avoir Yoshi. Je crois. Oh. Non. Hop là. Bah tiens, on parle du loup. Hurrah! Thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends. Bowser trapped me in that egg. Allez, viens là. To do a spin jump, press the A button. A Super Mario spin jump can break some of the block and defeat some of the fouler enemies. Et pourquoi tu me dis ça avec Yoshi, ça sert à rien. Ça me sert à sauter plus haut du coup là. Alors, du coup, normalement. Voilà. Ouais, il peut bouffer des pommes, mais je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert de bouffer les pommes. Par contre lui. Oh d'accord, quand je bouffe lui, ça permet de. Tirer des flammes et lui ça permet de. Ok, juste lancer la carapace, fuck! Donc en fait il se fait toucher une fois, il meurt pas lui. Peut-être que deux fois. Je sais pas. Eh! Eh! Enculé! Ah, mais c'est pas vrai ça! Voilà. Il est pas évident à manipuler, le Yoshi. Ok, donc lui, je peux pas le tuer. Oh, je récupère la pièce. This gate marks the middle of this area. By cutting the tape here, you can continue from close to the point. D'accord, the tape, ouais, la cassette. Sauf que là, je suis sur l'émulateur, donc... Lol. Des... Hop, une petite vie. Oula oula, c'est quoi ça? Ah, c'est pas vrai ça, putain. Viens là, Yoshi. Ah,
Oh, un secret. Ah, je peux pas monter avec Yoshi par contre. J'espère qu'il va rester là. Hop. Voilà, une pièce. Ok. L'utilité des pommes pour l'instant, mais peut-être ça viendra. Hop, bouge pas. Comment je fais pour donc puis je verrai peut-être plus tard. Ou c'est pour remonter peut-être, non? Bon, je sais pas. Oh, je crois que je vais sortir du niveau vite fait. The big coins are dragon coins. If you pick up 5 of these in one area, you get an extra Mario. An extra Mario. J'ai une vie en plus. Oui, une vie supplémentaire, un extra Mario. C'est bizarre de dire ça comme ça, non? Fuck. Eh, je suis mauvais. Et là, du coup, j'ai perdu Yoshi. C'est pas grave. Hop, je fais pop mon item. Tac, 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 tac. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a eu un gros problème avec l'émulateur là. When you stomp on an enemy, you can jump height if you hold the jump button. Use up on the control pad to jump height in the shallow water. Je sais pas ce que c'est, the shallow water. Là, j'ai pas eu les 5, j'aurais pas de vie bonus, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop, quatrième niveau. Donc
là on a des poissons. Hop, tac. Hop. Oula, c'est quoi ça? Merde! Merde, merde, merde! Quel con! Oh là là! If you are in an area that you have already cleared, you can return to the map screen by pressing start and select. Ok. Alors là, le premier là, sans le Yoshi, je sais pas comment j'aurais pu le passer, mais bon, j'ai fait le con, j'ai pas sauté suffisamment tôt avec le Yoshi. Sans me faire toucher, je veux dire, le passer sans me faire toucher sans le Yoshi. Je crois pas que c'est faisable. Mais à quoi elle sert cette zone là? J'ai rien gagné ni rien. Ok, donc je vais être là sûrement. Hop, hop. Ah, elle dure longtemps l'étoile. La vulnérabilité dure longtemps. Plus longtemps que dans Mario Bros 3, ça c'est sûr. You get bonus stars if you cut the tape as the... If you cut the tape at the end of each area, if you collect 100 bonus stars. You can play a fun bonus game. Oh, ok. Donc là j'ai eu la bonus stars. Non. Iggy's Castle. Iggy. C'est qui ça, ce Iggy? Mais ça marche pas. Ah non, d'accord, je peux pas passer derrière, ok, oula. Ah. Ils sont vraiment bizarres ceux-là. Déclencher là. Qu'est-ce que j'ai bien pu déclencher? Donc là ça passe, ça permet de passer derrière sur mon... Ok. D'accord. Ah, la toute petite porte quoi, je sais pas comment j'ai fait pour passer avec mon robin. Fuck! What? Ok, je suis passé à travers le décor, ça c'est un bug. C'est pas grave. Tu vois, il faut le savoir, sinon tu te fais baiser. Hein. Oh. C'est des enfoirés puisqu'on les voit pas du tout les trucs quoi. Non, enculé, non. Oh vache. Il est super vicieux ce niveau. Oh là là. C'est quoi ce niveau là, sérieux? Yeah.
Ça va, c'était pas... Ah, c'était court, je tiens. Ah, bordel. Ah, c'est super dur. Ah, bordel. Allez, concentration. Concentration. Waouh. J'arrive pas à être précis. Hein. Yes. C'est pas facile. Hein. Bon, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Apparemment, on a fait le monde 1, je pense, non? Parce que on fait le château. Donutland, ok. On va au Donutland. Voilà. Bon, allez. À la prochaine vidéo. Salut.